Salut Margot, comment ça va après cette belle victoire de Sens 3-0, nette et sans bavure? Nette et sans bavure, il y a quand même de l'adversité, il y a quand même du caractère en face, on a dû finir le boulot, elles nous ont pas donné, elles nous ont pas donné match. Donc ça n'a pas été trop dur de se relancer parce que Sens était taillé pour les playoffs. Et bon, déception sur le dernier match, ouais. Playdown. Mais là on voit qu'il y a quand même un réel potentiel dans cette équipe. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit après, c'était un gâchis total. Maintenant, on reconstruit les choses. On a eu un mois de janvier, vraiment compliqué. Et là, ça y est, on recommence à prendre l'air. Et c'est vraiment le premier match où on joue vraiment très très bien avec tout ensemble. Et avec le bon pareil. Et toi, toujours au taquet, toujours présente. Tu prends toujours autant de plaisir? Ouais, toujours. Ouais, je suis contente. En plus, là, j'ai refait des programmes, je prépare un peu l'après. Donc, je remarque que j'ai encore plus de chance de faire ce que je fais. Donc voilà, ça me redonne des ailes et physiquement tout va bien. Donc je suis vraiment contente. Ah, parce qu'en même temps, je disais ce matin, tu prépares ta reconversion, on avait déjà parlé, mais donc tu concilies les deux là, maintenant. Je concilie les deux et c'est très bien comme ça parce que j'ai un à côté, ça me fait du bien. Et je continue à donner et à jouer et je suis vraiment contente. Je suis au taquet comme ça. Donc sportivement, tu vas continuer un petit peu encore à chevoler? Je vais encore continuer un peu à chevoler. Ouais. Ouais, c'est bien. Bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir de te voir. Bonne continuation, puis à bientôt. À bientôt. Salut.